Coucou tout le monde, bienvenue les potos et les potesses pour un nouvel épisode de The Last of Us 2 Remaster Raid. Et quand je vous dis un nouvel épisode, je devrais dire dernier épisode, parce que oui, hein, je l'avais supposé dans l'épisode précédent, mais ouais, on est vraiment à la fin du jeu. Là, c'est l'épisode final, et donc, bah ouais, on va voir ou revoir comment tout ceci va se conclure. Allez. On est go. Et là, je vous mentirai pas que je ne sais plus trop ce qui va se passer. Là, vraiment, la fin du jeu, mis à part vraiment à la toute fin, là, tout de suite, la portion qu'on va faire. Ouais. Ça va être limite de la découverte totale, parce que là, je me rappelle pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et on aura fait quand même 24 épisodes, hein, pour cette aventure. C'est pas rien. Hé, hey, les crotales, c'est Mackenzie. Je suis dehors, libre. Mon mari est mort en ramassant vos putains de tomates. Mais on n'est pas seul. Je reviendrai avec des renforts. Vos jours sont comptés, mécréants. Vengeance. Tout le monde veut se venger. Non mais je sais. Ok, le jeu. Tac. Laisse-moi le temps de... Voilà, de m'y remettre. Oh là là, c'est pas vrai ça. Salut. Allez, tu vas y arriver. Encore un petit effort, mon grand. Laisse-le tranquille. Il ressent rien du tout. Allez, laisse-moi. Je lui ai promis que je lui ferais ça. Franchement, t'as rien de mieux à foutre. T'arrêtes, tu regrettes d'avoir essayé de t'enfuir là, hein? Hein, Anthony? Ah, ils l'ont contaminé intentionnellement? Les bâtards. Faites gaffe aux infectés! Allez, venge-toi! Ils l'ont eu? Apparemment. Ok. Wow! Va patrouiller. Je m'en charge. Oh, fais chier! Merde. Tais-toi. Oh là 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 là. C'était vraiment là à un poil de cul. Ça aurait duré une seconde de plus et j'aurais été repéré. C'est le gars là-haut qui me fait chier. Je peux pas avancer là. Rien. Allez, qu'est-ce qu'on a? Personne dans cette zone. Et toi? Ouais, non, c'est dalle. Allez, vas-y. J'ai envie de m'en foutre, hein, mais je pense que je vais me les faire. Qui c'est qui m'a vu? Je vais voir dans le bâtiment. Je crois qu'on a de la compagnie. Je vais regarder ce que c'est. Gna. Chier.
Rien ici. De l'autre côté, Ellie. Ellie! Oh là là, voilà, comme ça. Bon bah, hé, tu fais comme tu veux, à ta sauce. Ah, il est descendu! Oh oui! J'ai cru voir un truc bouger. Et j'ai cru voir un gros miné. On se dépêche. Hey, je deviens bon en infiltration là. Mon plan, c'est de tous vous tuer. Il y en a un dernier. Il est juste là. J'avais même pas fait gaffe. Hello ? Moi, c'est Ellie. Là-haut. Mais on va y aller après. D'abord. Là. J'ai 59. Ici. Oh non, c'est pas assez. Qu'est-ce que... T'es descendu? C'est Pete, il est mort. Hey. T'es tout seul, mec. Hey! Hop là! Fallait pas être aveugle, mec. Parce que clairement, t'aurais pu me voir avant. Hein. Allez, c'est bon, Ellie. Ouais. T'es tranquille. Ces types sont complètement tarés. Et je pense que pour survivre... Dans ces conditions-là, il faut être un peu taré. Hein. Ah, super! Logiquement, là, ça devrait le faire! Regardez. Tout à fait. Zou! Là. C'est fermé. Mais... Ok. Mais
Bon, attends, là, comment ça se passe? Tac. Ok. Ici, non. Oui, d'accord, ok. J'ai vu quelque chose. Oh, 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 je sais ce que je vais faire, moi. T'es trop con, mec. Fallait pas venir vers moi. Et si je tirais sur la chaîne? Je vais essayer. Non! Ça ne marche pas. Au moins, j'aurais essayé. Donc là, on est d'accord, je peux faire le tour. Va vivre ta vie. Non! Pourquoi t'as pris ce flingue, Ellie? T'es chiante! Là, on avance! Là, ici! Attention à vous! Par ici! Rapprochez-vous! Ah, je l'ai tué! Vous continuez! Ouais. Oh la merde! Ah! Encore quelqu'un de tué! Non, la machette, c'est pas la peine. Là, non.
Là, c'est pas la peine. Ça me tire dessus ou quoi? Ouais. Comme tu dis, ma petite Ellie. J'ai un peu merdé. En fait, ce qui m'a vraiment fait chier, c'est le fait de la voir sortir l'arme de Joël. Alors que juste avant, on avait pris... Enfin, je crois. Cette espèce de petite MP5 là, avec silencieux. Il en reste deux. Ici! Très bien. Aïe! Oh merde, je t'avais pas vu, toi. Bébé! Faut pas qu'elle s'échappe! Encore 3 balles. En bas. Je vois pas d'où tu me tires, toi, mon gars. Ah ouais, ça y est. J'arrive. Aïe. Putain. Bordel. Ouais, comme tu dis. Ouais, j'y vais. Allez, un coup! Oh, oh là là! J'allais crever, mon gars! je tirais une balle ensuite. L'instinct. Il y a un peu le pif. Que j'entends. Bon là j'ai plus de balles. Y'a de l'eau qui tombe ou quoi? C'est pas grave. Je vais en profiter. Ah, super. Hasta la vista, bébé.
c'est fun! C'est très très fun! Allez, on arrête les conneries. Peupon. Vu que c'est la fin du jeu, autant se faire plaisir un peu. Jenny, je t'envoie du bœuf, des pamplemousses et des pommes de terre que je viens de recevoir. Ils ont été impressionnés par le nombre d'évadés que j'ai capturés. Et ils ont voulu me récompenser. C'est la meilleure récolte qu'on ait eue depuis qu'on s'est installé ici. Assure-toi que ma mère mange bien. Elle était trop maigre la dernière fois que je l'ai vue. Pat. Et franchement, les démembrements, le côté gore est hyper bien fichu. Hein. Idem pour la ragdoll. Hein. C'est vraiment du GG. Je vais le faire d'un peu plus près. Salut! Mais merde! Pourquoi je gogolise comme ça là? Place-toi derrière elle! Personne à gauche. De con, vous allez cramer. Par ici. Je pensais qu'il y avait un gars par là. Elle est allée là, derrière. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Recharge. Il est derrière. Il était en train de me contourner. Je crois. Wow. Ça y va, hein. Wow. Donc ça, je prends. Ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre ça, on va ôter le silencieux. On joue pas assez avec. Alors qu'on a plein de balles. Je
prends l'arme de Joël. Il n'y a pas beaucoup de balles, alors que j'ai un 9 mm qui n'attend que ça. Ouais, non. Là, ici. Toi, tu viens avec moi. Toi, c'est pas la peine. Là, il y a de la vie. Et enfin, pour en terminer avec cette zone, les cadavres, non. Ki. Mais ça sert à rien, t'as tué tout le monde derrière. Y'a personne qui a survécu, c'est le carnage total. Je vais essayer. Non. Bah alors, je passe par où? Qu'est-ce que j'ai raté? Par là, non. Ah mais oui! Abby a tenté de fuir. Ils l'ont mise aux colonnes. Les colonnes? Va à la plage. Tu la trouveras. Elle est sûrement déjà morte. Allez! Ça y va, hein. Thank you.
Abby. Des bateaux par là. Oh là là, elle a pris cher. Après, tu me diras. Je sais pas combien de temps ça fait qu'elle est là, mais. Elle est toute amaigrie, toute sa musculature, bah tu me diras, oui. Hein. T'imagines, suspendue comme ça là, pendant des jours. Et avant d'arriver là, bah forcément t'es en tôle, et forcément tu bouffes pas comme tu veux. Ça se trouve tu bouffes de la merde, enfin tu... Et forcément tu maigris, ça fait des mois qu'elle est là. Je peux pas te laisser partir. J'en ai assez. Cette histoire. C'est toi qui l'as entraîné là-dedans. Ok. Ok. Voilà, j'ai eu ma fin à moi.
J'en ai fait exprès, hein. Je voulais juste en en finir. Putain, t'as pas le droit, t'as un couteau. Ça fait du bien. Non mais je pense que vous aurez compris, hein, chute immobile. Hein. Par contre, là, je vais pas refaire la séquence 40 fois. Ah mais attends, mais il faut que je me batte. Je pensais que je pouvais attendre les QTE là. Merde. Excuse-moi Abby, mais il faut en finir. Oh puis merde. Ah, je peux faire ça. Ah mais du coup, ça peut durer un milliard d'années. Excuse-moi. J'ai pas le choix. Putain. Ellie, la pétasse, quoi. Tu peux pas jeter ton couteau, là. Vas-y, frappe-moi. Merde. Excuse-moi, un réflexe. Voilà. Encore un petit coup. Voilà, super. Tu sais encore te battre, Abby, hein? Ah, j'en pouvais pas là. Oh là là. Ça me fait trop mal au cœur en fait. Ah!
Bon, ça va, hein, j'ai quand même mes petites doses de... Vas-y, il est qui se fait défoncer. Putain, mais c'est interminable! J'avais pas capté qu'elle avait perdu deux doigts. Moi, je pensais qu'elle avait perdu qu'un doigt. Ah ouais. T'as de bonnes dents, Abby, hein. Franchement, là, pour sectionner comme ça, deux doigts... De bonnes dents et une bonne mâchoire.
Ce qui devait arriver arriva. D'un autre côté, hein. Dina ne pouvait pas vivre ici tout seule avec un enfant à charge. Elle a fait le choix le plus juste pour eux deux, hein. Pour elle et pour Gigi. Ils ont tout laissé là, d'accord. Tu bois quoi ? Du café. T'en as trouvé où ? Les gens qui sont passés la semaine dernière. Oh. J'ai un peu honte de ce que j'ai dû donner en échange, mais... c'est pas mauvais. Je maîtrisais avec cette. Ouais, je sais. Et il faut que t'arrêtes de saouler Jessie avec mes patrouilles. Ok. Dina. Vous êtes ensemble ou... Non, c'était juste un baiser. Ça veut rien dire, elle voulait juste... Je sais pas ce qu'elle voulait. Mais elle te plaît. Je suis trop bête. Écoute, je sais pas ce que cette fille attend de toi, mais... tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle aurait de la chance de t'avoir.
C'est vraiment un enfoiré. Je suis pas en train d'essayer. J'aurais dû mourir dans cet hôpital. Ma vie aurait enfin eu un sens. Mais t'as tout foutu en l'air. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, je le referais sans hésitation. N'empêche, je crois que je pourrais jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. Ça serait bien. Thank you.
ça me fait chier de couper la musique, mais je sais pas combien de temps ça va durer, donc voilà quoi. On va faire ça, menu principal. Et donc voilà, on a fait le jeu du début à la fin, avec une fin très très éprouvante pour moi. Parce que forcément, hein, devoir taper Abby alors que je suis de son côté, voilà. Tout comme ça a dû faire chier. Non, comme quoi? Non, comme... Je te dirais, les gens qui étaient plutôt côté Ellie étaient plutôt en mode jubilation parce que finalement, elle a pris bien cher Abby, hein. Mais encore une fois, moi... Non, je ne cautionne pas. En plus, elle avait son couteau, elle aurait pu se battre mano à mano. Ouais, enfin, je dis ça, elle sait très bien... Enfin, Ellie savait très bien que mano à mano, c'était compliqué, hein. Ça aurait pu être compliqué. Et ça a été compliqué, parce que bah même si Abby a perdu de sa force, de sa musculature, de son endurance, de par les conditions de santé qu'elle avait, hein, parce que là vous avez vu, hein, elle était sur son pylône depuis X je ne sais pas combien de temps, donc elle était vraiment très très affaiblie, mais ça n'empêche pas que même si le cœur n'y est pas, t'as quand même l'esprit. Toujours la mémoire, elle savait se battre. Genre, tu sais, Krav Maga et tout, là. Elle savait, elle, mano à mano, elle pouvait prendre le dessus. Mais bon, hein, avec tous les coups de couteau qu'elle s'est prise, la pauvre, d'abord dans le bras, dans le ventre, au visage, je crois. Il y a eu, là, au niveau de la poitrine. Enfin, vraiment... C'est pour ça que, ouais, ça m'a fait du bien de voir Ellie mourir plusieurs fois. Parce que, pour moi, s'il y avait une fin à choisir, ça aurait été de prendre le dessus sur Ellie. Hein. Mais non, voilà, tout ce chemin fait pour rien, enfin, pas pour rien. Si je devais remercier Ellie pour une chose, ça aurait été de libérer Abby. Si Ellie n'était pas repartie dans cette quête insensée de vengeance, Abby et Lev... serait mort. Parce que là, personne ne les aurait libérés. Hein. Donc, il y a du bien dans le mal. Hein. Voilà, moi c'est là où je veux en venir. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a du gris, il y a de la nuance. Donc, encore une fois, s'il y avait un petit merci, ce serait juste pour ça, le fait d'avoir libéré Abby. Et tu vois, au départ, je me rappelle la première fois, parce que cette fois-là, je m'en souviens bien quand même. Quand t'as Abby qui part de son côté et que t'as Ellie qui part de l'autre, j'ai dit, bon, ok. Peut-être qu'elle s'est ressaisie, elle a vu dans quel état était Abby, que c'était pas la peine, quoi. Ok, tout ce chemin pour rien, mais... C'est pas grave, comme ça, c'est comme une petite quête, encore une quête initiatique, enfin, je sais pas comment on dit ça. Une quête pour se remettre dans le droit chemin. Et non, forcément, ensuite, il a fallu qu'elle se ressasse cette scène avec un Joël totalement, mais défiguré, hein. Ça fait tellement mal au cœur. Encore plus de le voir vivant, là, à la fin, dans cette cinématique. Mais enfin, bref, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et ouais, ça a été assez poignant, hein, cette fin où t'as Ellie qui songe à essayer de pardonner à Joël. Et tu vois Joël se retenir de pleurer, se retenir de dire quoi que ce soit. Tu sentais l'émotion qui était en train de le submerger. Et tu voyais ça, et visuellement parlant, par le côté ultra méga bien fait des visages, des animations faciales et tout et tout. Et aussi au niveau de l'interprétation, tout en retenue et tout. Donc, tu vois, ce qui fait mal, c'est pas de le revoir dans cet état ensanglanté, totalement défoncé de partout, mais de le revoir vivant, côtoyer Ellie, et essayer de panser les blessures. Et je confirmerai encore une fois, hein, que Joël est l'un des meilleurs personnages créés... dans le jeu vidéo. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Mais ils ont réussi à faire quelque chose de fort avec lui. Non, franchement,
dégoûté qu'il ne soit plus là. Hein. Encore une fois, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai pu dire dans de précédents épisodes, mais je voudrais tellement qu'il y ait un préquel qui revienne X années en arrière, où on vivrait les aventures de Joël, de Tommy, enfin voilà, peut-être de la rencontre avec Ness, enfin la nénette qui l'accompagnait au début du premier opus. Je sais plus si c'était Ness, oh, j'en sais rien, on s'en fout. Et tu vois, je sais pas, j'aurais bien voulu... Je sais qu'ils vont faire un The Last of Us 3, apparemment c'est dans les tuyaux. Apparemment, il n'est pas encore en production. Il n'est même pas en pré-production parce qu'ils n'ont même pas encore de scénario. Ou alors, s'il y a un début de scénario, faut encore le peaufiner. Donc ouais, on n'est pas prêt de le voir, ce The Last of Us 3. Peut-être même, même pas sur cette génération de consoles, va savoir. Mais ça n'empêche pas que, clairement, j'y jouerai. Parce que déjà, il y aura toujours la maestria graphique que sera le jeu. Comme sera la prochaine nouvelle IP de Naughty Dog, hein, parce que le prochain Naughty Dog, ce n'est pas The Last of Us 3, hein, c'est une nouvelle IP. Si vous attendez dans les années qui viennent The Last of Us 3, non, oubliez, ce sera vraiment dans très très longtemps, pas avant 5-6 ans. Là, la prochaine grosse IP, bah, c'est un truc nouveau. Et donc c'est ça que j'ai envie de voir, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous pondre. Est-ce que... ce sera du contemporain? Est-ce que ce sera de la SF? Est-ce que ce sera quelque chose de fantastique? Mais je te dirais, peu importe, parce que l'aventure sera là, avec un grand A. Il y aura des personnages haut en couleur. Il y aura toujours cette beauté graphique de ce moteur de fou qui sera là pour nous éblouir la gueule. Et peu importe ce qu'ils raconteront, je serai là pour y jouer parce que... encore une fois, j'attends énormément ce que fait, enfin tout ce que peut faire Naughty Dog. Je trouve qu'ils mettent un peu de temps, excusez-moi, à faire leur jeu, mais tu me diras, les jeux du studio sont joués et re-rejoués et re-rejoués et re-re-re-re-rejoués et re-re-re-re-re-re des dizaines, des vingtaines de fois, tous les jeux sont poncés pour qu'il n'y ait aucun bug. C'est un peu le service qualité, comme pour Rockstar, c'est les jeux, ils sortent, ils sont tellement quali, ils ont tellement été joués, ils ont tellement été peaufinés, que l'expérience Day One, elle est incroyable. T'as pas de bug, t'as pas de problème ici et là, c'est nickel chrome. Je parle des versions console, parce qu'après sur PC c'est autre chose. Je pense à The Last of Us Part 1, le remake là, où sur PC c'était la merde. Mais voilà, moi j'en ressors de cette aventure très content parce que j'ai passé de très bons moments. L'interprétation des personnages, l'aventure en elle-même, la beauté graphique du jeu, la direction artistique, le gameplay, le côté papillonnage. On verra un petit peu s'ils reprendront la même structure pour la prochaine IP ou s'ils partiront sur peut-être de l'open world, va savoir, ou un mix des deux comme ce qu'ils avaient fait pour le jeu Naughty Dog. Avec les deux nénettes là, je sais plus comment ça s'appelait, où il y avait vraiment du monde ouvert et puis des fois ça se resserrait pour certaines portions de jeu, donc va savoir. Mais ouais, moi je suis très très content de l'avoir fait, très très content de l'avoir fait avec vous sur la chaîne. Et moi j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'ai vu que le jeu, que le let's play vous plaisait, hein, parce que vous étiez nombreux à le suivre au jour le jour. Donc voilà, On va partir sur autre chose là dans les semaines qui viennent, mais il y aura toujours ce LP qui sera là et qui pourra vous enjailler. Vous pourrez toujours y revenir par la suite et je ferai peut-être de même, va savoir. Mais ouais, là j'ai kiffé. Je suis pas trop fan de la tournure du jeu, je vous mentirai pas, le scénario c'est pas mon préféré, mais t'as l'interprétation, t'as l'ambiance. T'as pas mal de choses qui viennent basculer ce scénario que j'affectionne pas trop. Je me laisse emporter quand même. C'est pas parce qu'il y a un défaut que je vais rejeter le jeu. Il y a plein d'excellentes qualités, donc voilà quoi. Allez, sur ce les amis, on va s'arrêter là. Vous me direz bien sûr dans les commentaires, hein, ce que vous en avez pensé de cette fin. Team Abby, Team Ellie, par rapport à... Et également, tiens, vite fait, j'en parle avant de partir. Finalement, j'ai des choses à dire.
vis-à-vis de Ellie, hein, qui forcément a perdu ses deux doigts et qui ne peut plus jouer de la guitare. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'elle laisse la guitare comme ça, au soleil. Elle va en prendre un coup, moi je l'aurais remis dans son sac, enfin dans sa mallette. Histoire de, tiens, un jour si j'y reviens, tu sais, elle pourrait essayer, quelqu'un pourrait, ou elle, lui confectionner une petite prothèse, quoi, deux doigts, tu vois, un truc du genre. Je suis sûr que ce serait possible. Mais je pense qu'elle a fait une croix sur son passé et elle va vivre quelque chose de nouveau. Que va-t-elle faire? On l'a vu partir par la porte d'où elle était venue. Donc, est-ce qu'elle va vivre de nouvelles aventures toute seule, en solo? Va-t-elle repartir pour Jackson? Que va-t-il devenir pour... qu'est-ce qu'ils vont devenir là, Abby et Lev? Est-ce qu'on les reverra? On sait pas, on les reverra pas. Si ils font un préquel pour The Last of Us 3, si c'est un préquel, on les reverra pas. Ni Ellie, ni Abby, ni qui que ce soit d'autre, mis à part Joël, enfin bref. Par contre, si ça se passe après ce jeu, il y a moyen de les revoir. Par contre, Neil, fais pas le con. Ne tue pas Abby, ni Lev, ni Ellie même. Tu ne tues personne. Hein, tu les laisses en vie, tu fais tuer d'autres personnes, mais tu les laisses tranquilles. Hein, fais pas un Joël numéro 2. Hein. Parce que Joël, on l'a incarné. On a vécu une grosse aventure avec lui dans le premier opus. Et Neil l'a fait tuer dans la suite. Il a tué son personnage principal dans la suite. Donc on n'est pas à l'abri qu'il tue soit Ellie, soit Abby, soit Lev, ou même les trois en même temps, j'en sais rien, mais Neil, déconne pas, quoi. Donc voilà. Allez, n'oubliez pas, encore une fois, de me lâcher tout plein de messages, de commentaires, de retours dans les commentaires pour réagir à cette fin. Qu'est-ce que vous en pensez du jeu dans sa globalité? Qu'est-ce que vous voudriez avoir éventuellement comme suite ou comme préquel? Enfin voilà quoi, votre avis sur la globalité, sur les personnages, sur l'expérience au global, sur votre... voilà, je veux savoir ce que vous avez dans le cœur, au fond du cœur. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit partage, l'abonnement, la petite cloche. Merci encore à vous d'avoir suivi ce LP jusqu'au bout, je vous fais un gros poutou-poutou sur le front et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.